Le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse apporte une des prophéties les plus importantes et impactantes sur la fin des temps, le moment où le septième ange sonne la septième trompette, décrétant la période du jugement de Dieu sur la terre et le début du règne de Jésus-Christ dans ce monde. Mais dans l'intervalle entre la sixième et la septième trompette de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu quelque chose de très important se produire dans le monde, un événement qui durera 3 ans et demi, l'apparition des deux témoins de Dieu. Ils viendront au monde remplis du Saint-Esprit et accompliront de nombreux miracles, confronteront le gouvernement de l'Antéchrist et offriront à l'humanité la dernière chance de repentance et de salut avant le jugement final. Mais qui seront exactement ces deux témoins? Seront-ils des personnages de l'Ancien Testament revenant dans le monde pour accomplir les prophéties de Dieu? Quelles histoires portent-ils? Et quel rôle joueront-ils à la fin des temps? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes ces réponses, ainsi que révéler un secret sur la véritable signification que ces deux témoins ont pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous serez surpris. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors commençons. Je veux lire avec vous le verset 3 du chapitre 11 de l'Apocalypse, dans lequel le Seigneur a donné la vision suivante à l'apôtre Jean. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Et si nous retournons aux deux premiers versets de ce chapitre, nous verrons que les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ce passage fait référence aux 3 ans et demi de tribulation, où l'Antéchrist révélera son véritable visage, dominera le monde et persécutera tous ceux qui refuseront de se prosterner devant lui. Et déjà dans le verset suivant, que nous venons de lire, Dieu enverra les deux témoins avec une mission spéciale à accomplir pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Autrement dit, le Seigneur ne permettra pas à l'Antéchrist de dominer le monde librement, et mettra sur terre deux messagers pour combattre le mal et offrir au peuple une opportunité juste de choisir entre Christ et Satan. Et la Bible dit que ces deux témoins marcheront sur terre vêtus de sacs de toile, les vêtements traditionnellement portés par les hommes de Dieu en temps de deuil et de lamentation dans les temps bibliques. Ils porteront ces vêtements pour symboliser que c'est un moment de grande douleur et tristesse. Et malgré l'humilité de leurs vêtements, ces deux hommes auront beaucoup de pouvoir. Leur mission principale sera de prêcher l'Évangile et la repentance au peuple. Mais ils auront aussi l'autorité spirituelle pour fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. De plus, ils pourront aussi transformer l'eau en sang et frapper leurs persécuteurs avec de terribles fléaux. Les versets 4 et 5 disent que les deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur et que, si quelqu'un tente de leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Autrement dit, pendant la période de la grande tribulation, aucun mal ne pourra atteindre ces deux personnes. Mais les 42 mois passeront et la mission de ces deux témoins prendra fin. Pendant qu'ils prêcheront durant la grande tribulation, beaucoup de gens se repentiront de leurs erreurs et donneront leur vie à Jésus. Mais la plupart d'entre eux deviendront encore plus révoltés et ennuyés par le message apporté par ces prophètes. Ensuite, la Bible raconte que la bête qui monte de l'abîme fera la guerre aux témoins et les vaincra. Leurs corps resteront exposés sur la place de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, au même endroit où le Christ a également été crucifié. Les corps des deux témoins seront vus par des hommes et des femmes de toutes les parties de la terre pendant une période de 3 jours et demi, et tous célébreront la mort de ces hommes, qui étaient les ennemis de l'Antéchrist, et les gens échangeront des cadeaux entre eux, car le tourment causé par ces deux hommes sera terminé. Mais après 3 jours et demi, Dieu insufflera à nouveau l'esprit de vie dans les deux témoins. Ils se lèveront et les hommes seront terrifiés devant cette scène. Alors, la terre entendra une grande voix du ciel appelant les deux témoins, et ainsi, ils monteront au ciel dans une nuée, en présence de tous leurs ennemis. Après cela, la Bible dit qu'un grand tremblement de terre ébranlera toute la terre, détruisant une partie de la ville et tuant 7000 personnes.
Ceux qui resteront en vie seront terrifiés et rendront gloire au Dieu du ciel. Ensuite, tous entendront sonner la septième trompette de l'Apocalypse, annonçant le jour du jugement dernier. Et ensuite, les morts, c'est-à-dire tous les incroyants, grands et petits, se tiendront devant le trône et des livres seront ouverts. La Bible ne dit pas exactement quels livres seront ouverts, mais ce seront probablement des livres qui mettront en lumière leurs actions, leurs choix, leurs paroles et leurs pensées. Et parmi ceux-ci, un autre livre, le livre de la vie. Et ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de la vie seront condamnés. Et ces deux témoins, qui étaient auparavant persécutés, seront finalement glorifiés. Et Dieu leur confiera également la tâche de participer au jugement du monde. Mais la question qui demeure est, qui seront ces deux témoins? On ne sait pas exactement qui seront ces personnes envoyées par Dieu comme le dernier espoir de salut pour l'humanité, mais il existe trois principales théories à ce sujet. Voyons quelles sont-elles. La première théorie, Moïse et Élie. Moïse et Élie sont vus comme une des possibilités, en raison des pouvoirs des témoins de transformer l'eau en sang, comme lors de la première plaie d'Égypte, de faire cesser la pluie et de détruire les gens avec du feu du ciel, comme lors de la bataille d'Élie contre les prophètes de Baal. Une autre idée qui renforce cette théorie est le fait que ce sont Moïse et Élie, les deux hommes de l'Ancien Testament, qui sont apparus à Jésus sur le mont de la Transfiguration. Certaines personnes croient que cette rencontre pourrait être une préparation pour quelque chose lié à la fin des temps. De plus, la tradition juive espère que Moïse et Élie reviendront dans le futur. Malachie chapitre 4, verset 5, prévoit la venue d'Élie, et certains juifs croient que la promesse de Dieu de susciter un prophète comme Moïse est en fait le retour de Moïse et non l'arrivée de quelqu'un lui ressemblant. La deuxième théorie, Élie et Hénoc. Pour être honnête, c'est la théorie que je crois être vraie parce qu'Élie et Hénoc sont les deux seuls hommes de toute l'histoire qui n'ont jamais connu la mort, comme nous pouvons le voir dans Genèse 5 et 2 Rois 2. Le fait qu'ils soient allés dans la gloire de Dieu au ciel en vie les rend aptes à être les deux témoins qui prêcheront pendant la grande tribulation, puisque la Bible est très claire lorsqu'elle dit que chaque personne est destinée à mourir une seule fois et que Moïse est déjà mort une fois. Et vous vous demandez peut-être maintenant, « Mais pasteur, il y a d'autres personnes dans la Bible qui sont mortes deux fois. Pourquoi Moïse ne pourrait-il pas venir et mourir à nouveau ?» Oui, c'est vrai. Lazare, la fille de Jaïr et Tabitha, ressuscité par l'apôtre Pierre, tous sont morts et revenus à la vie dans un but unique, témoigner de la puissance et de la sainteté de Jésus par leur vie, chose que Moïse n'aurait pas besoin de faire parce que sa mission dans ce monde était de libérer le peuple de l'esclavage en Égypte et de le conduire jusqu'à la terre promise. Et cela, il l'a accompli. Troisième théorie, d'autres personnes. Cette autre vision indique que l'Apocalypse chapitre 11 ne mentionne aucun nom connu lorsqu'il se réfère aux deux témoins. Les érudits qui soutiennent cette théorie croient que, si les témoins étaient Élie, Moïse ou Hénoc, l'apôtre Jean aurait tenu à préciser leurs identités dans ses récits et ne serait pas resté silencieux à leur sujet. De plus, ces personnes pensent que Dieu est parfaitement capable de susciter deux chrétiens ordinaires et de leur donner la capacité de réaliser les mêmes signes et merveilles que les autres hommes du passé. Pour défendre cette thèse, ils utilisent un passage de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui dit ainsi « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et face à ces trois théories, vous pouvez vous demander laquelle est correcte. Eh bien, nous ne le savons pas. Et même si j'ai une opinion et que vous en avez une autre, cela importe peu. Ce que Dieu veut vraiment que vous compreniez à propos de ce message, et voici le secret que j'ai dit que je révélerai sur les deux témoins, c'est qu'il existe une promesse de victoire et d'éternité pour nous qui sommes en Christ Jésus. Beaucoup de gens, en essayant de découvrir l'identité de ces deux témoins, perdent malheureusement le plaisir de profiter du réconfort que procure ce passage. Il y aura, en effet, un temps de douleur, de persécution, de lutte et même de mort. Beaucoup d'entre nous souffriront à cause de notre foi, seront humiliés, offensés et même tués à cause de Jésus. Mais ce temps sera court
Et tout comme les deux témoins ressusciteront et seront glorifiés par Dieu, nous recevrons également un nouveau corps glorifié et nous régnerons avec Christ. La Bible dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre se formeront et que ce nouveau monde s'appellera la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, les gens vivront pour toujours et il n'y aura ni tristesse, ni douleur, ni pleurs, ni maladie et encore moins de mort. Jésus marchera à nos côtés de la même manière que le Seigneur a marché avec Adam et Ève dans le paradis. Ne désirez-vous pas cela pour votre vie, voir aux côtés du Père les prophéties se réaliser et voir le bien triompher du mal? Alors, où que vous soyez en train de m'écouter maintenant, ce message est pour vous. Remettez votre vie à Jésus, repentez-vous de vos péchés et marchez avec le Seigneur chaque jour. Dieu ne vous a pas amené jusqu'à la fin de cette vidéo simplement pour que vous compreniez mieux l'Apocalypse, découvriez qui seront ces deux témoins ou sachiez quand sera la fin des temps. Mais il vous a amené ici pour vous dire qu'il vous aime, que Christ est mort pour vous et qu'il existe un chemin ouvert pour que vous alliez au ciel. Il vous suffit de le vouloir. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.